dans un brouhaha croissant, mené par les publicistes, les professeurs, les philosophes et même les concierges de la littérature, très en faveur en ce moment, nous naissons, nous, chaque fois, et aujourd'hui encore, muets, dans un monde muet. Il ne nous manque que la parole. Il s'agit donc de la prendre. Puisque, au regard de ce que nous avons à dire, nous serions un peu loin de compte, nous en tenant à la langue telle qu'elle se donne. Elle s'est un peu trop donnée depuis 700 ans. Pour comble, on nous demande souvent de nous exprimer rationnellement, étant entendu qu'aujourd'hui même, ici même, nous nous exprimons en langue morte, je ne pense pas que nous puissions valablement proclamer autre chose que notre différence et notre orgueil. Dans la langue de l'ennemi, nous ne pouvons guère qu'évoquer notre langue originelle. Nous ne pouvons qu'élargir autant que possible le fossé qui, nous séparant non seulement des littérateurs, mais même de la société humaine, nous tient proche de ce monde muet dont nous sommes ici comme les représentants ou les otages.